quelques mois, voici à quoi ressemblait la chambre de mes garçons. J'avais beaucoup d'idées en tête sur comment je voulais la transformer. Mettre un accent précis sur le minimalisme, dont ne pas trop encombrer la chambre. Le plus important pour moi était d'avoir un espace de jeu pour les garçons. Espace pour lire Jean, petite librairie, car mon premier fils aime beaucoup lire, c'est incroyable. Une table à étudier, absolument. Qu'il y ait le moins de plastique possible dans la chambre, mais surtout changer complètement les armoires, même les murs. Bref, me débarrasser de tout, sauf le lit en étage, bien sûr. Pendant le processus, j'ai réussi à vendre l'ensemble des armoires et tiroirs bleus à 60 livres sur Facebook Market. J'ai aussi finalement pu liquider le canapé qui encombrait tellement à juste 50 livres. Parce que je traversais une période très difficile, encore en pleine dépression, je n'arrivais pas à réfléchir et mettre mes idées en place, ou du moins en visuel, ce que je voulais pour la chambre. Du coup, j'ai payé les services d'une interior designer sur IKEA à 65 livres la consultation de l'heure. Et voici donc le template du résultat de ce que j'ai pu obtenir de nos différentes consultations. Le recensement des différents produits que je veux, mais surtout l'emplacement dans cette chambre étroite. Pour les nouveaux et nouvelles, ici nous sommes en location privée donc. On a fait un DIY des placards des enfants en fonction de mes besoins et de leurs vêtements. Au final, ce placard m'a coûté plus de 100 livres en plus. Je vous épargne les détails. Entre-temps, parce que mon mari m'avait déjà clairement dit qu'il ne devait pas avoir le temps pour monter tous ces meubles, car il y en avait beaucoup, j'ai pris les services d'un spécialiste qui m'a chargé 80 livres pour 4 heures. Il était moins cher que les services d'IKEA, c'est sûr. Je l'ai trouvé sur Facebook Market. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je m'appelle Nelly, maman de deux garçons. Je vis en Angleterre. Je travaille maintenant à plein temps. Je me remets tout doucement d'une dépression. Donc vous aurez droit à une vidéo par semaine pour le moment. Je fais des vidéos qui tournent autour de comment s'occuper d'une maison, comment être une maman organisée. À la maison, on est dans l'optique d'une vie de façon minimaliste et une vie de façon écologique. Ce n'est pas encore complètement le cas, mais petit à petit. Donc si jamais ces thématiques vous parlent, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, donner un pouce bleu à cette vidéo et activer la cloche de notification. Je tenais aussi à vous remercier toutes et tous, ma communauté, mes abonnés, pour cet accueil après une longue absence. Merci pour vos gentils messages et conseils. Merci beaucoup. Ça m'a fait un très grand bien de vous lire, mais surtout que vous m'écoutiez. Le résultat après les meubles montés est juste waouh, mais il avait encore beaucoup, mais beaucoup à faire. On continue. Je vais enlever les rideaux car ils vont être changés plus tard et ensuite nettoyer tous les meubles avant de faire l'organisation et le rangement. C'était le plus difficile.
tri et rangement des livres n'était pas facile du tout en fonction de l'âge, la forme, mais aussi les livres en français comme en anglais. Si vous avez des petits-enfants comme les miens, est-ce que vous leur apprenez d'autres langues que celles du pays dans lequel vous vivez? Je serais très ravie de vous lire en commentaire. À la base, je voulais absolument enlever ce papier peint qui est sur le mur là. Et je le déteste, je vous assure. Mais quand j'ai regardé les prix pour changer, oh my god, cela coûtait près de 300 livres sans la main d'œuvre. Et enlever aussi le papier là, c'était difficile. Donc j'ai abandonné le projet, j'ai laissé. De toute façon, ce n'est pas chez nous pour très longtemps. Mieux vaut ne pas engager des dépenses inutiles. Si vous me demandez combien de temps cette transformation m'a pris, je dirais à peu près un mois, petit à petit en fonction de mon état de santé mentale et beaucoup d'autres aspects extérieurs, surtout financiers. Je vous dirai à la fin combien j'ai approximativement dépensé pour la chambre des enfants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la barre de commentaires. Si vous avez remarqué, je me suis coupé les cheveux, oui, complètement jusqu'au ras, comme d'habitude quoi. Néanmoins, je voulais mettre quelques décorations sur le mur. J'ai donc acheté ce joli petit tableau avec différents véhicules car mes enfants aiment beaucoup les voitures et Tesserin. Et de ce côté, un tableau de la carte du monde. On va maintenant monter la chaise ensemble. La chaise que je voulais au départ était constamment hors stock. J'ai fini par changer et prendre celle-ci, qui n'est pas si mal au final et moins chère que l'autre aussi.
Les fenêtres dans la chambre des garçons n'est pas très grande, ce qui fait que la luminosité à certaines heures de la journée peut vraiment être nulle. Rappel, je vis dans le nord-ouest de l'Angleterre, ce qui n'arrange pas les choses. Donc, sur la table à étudier, il y a une lampe extra et au-dessus, il y a une petite veilleuse pour la nuit. Aperçu du progrès un autre jour en journée, vraiment lumineux, aéré, la chambre commençait déjà à prendre la forme. Je vais dépoussiérer le luminaire là et ensuite on continue. Pendant le montage de l'armoire, il y avait deux éléments qui devaient aider à accrocher les vêtements. Ces deux éléments ont été hors stock pendant plus d'un mois, presque deux mois même d'ailleurs. Au final, j'ai dû aller dans un IKEA dans une autre ville pour récupérer cela. Je vous montrerai cette partie dans une autre vidéo. Tous ces box de rangement, je les ai gardés. Ils étaient dans les précédents armoires et tiroirs des enfants. Le nouveau rideau était trop long, j'ai fini par rafistoler et faire court. Vous verrez cette transformation à la fin de la vidéo. Un petit tapis au centre dans le thème des voitures pour mes gars. Et pour célébrer la nouvelle chambre, j'ai aussi acheté de nouveaux draps et ensemble duvet. Avant le résultat final, voici un aperçu de la chambre. L'entrée est petite, mais ça peut aller, on fait avec l'espace qu'on a.
Franchement, j'étais vraiment contente de cette transformation. Entre-temps, j'ai encore fait quelques améliorations que vous verrez bientôt dans d'autres vidéos. J'ai fini par dépenser au total à peu près 695 livres en considérant mes dépenses et ce que j'ai pu vendre pour emporter. Donc, approximativement 820 euros. Ce qui est plus que ce que je n'avais budgétisé, mais je garderai tous les meubles pendant très longtemps, je pense. Et j'ai filmé la réaction des enfants pour qu'ils découvrent le projet final. Voilà, vous verrez dans la vidéo. Montez, regarde votre chambre. Regarde. Chica, look at your bedroom. Do you like it? I like this dummy nerd. I like dummy nerd. Yeah, now you got all your cars there. Yes, I got all your cars. Yeah, you got your cars. You can play when you finish, but you put back, okay? Yeah. Yeah. Got everything here, numbers, small cars here. You can start playing your Lego as well. And blocks too. Je n'irai pas en détail pour le summary, voilà. Si vous avez des questions, faites-moi savoir en commentaire. Si cette transformation vous a plu, je serais vraiment ravie que vous me laissiez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Mais surtout, si vous avez des questions, laissez-moi dans la barre de commentaires. Partagez au max à ceux ou celles où vous pensez que ça pourrait aider. D'ici là, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.